stars above. Famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va décorer pour Noël 2022. Ça s'est vite passé. Donc là, c'est Daddy qui est au garage. Mon garage est plein et il y a beaucoup de choses, franchement. Donc cet été, je dois vraiment me débarrasser de beaucoup de choses dans mon garage. Donc là, le sapin est de chez Canadian Tire. C'est le sapin que j'avais acheté l'année passée. Et voilà, Daddy va tout simplement aller installer le sapin. Julien n'est pas là, il est à l'école, il est au collège, donc il est très occupé, bientôt ils vont commencer avec les examens et tout, donc il y aura que Daddy pour ce matin, et puis le soir il y aura que le garçon et donc Wayne et Inata. Julien sera au collège, donc il y aura que nous, donc Daddy va installer le sapin pour nous rapidement, comme je dis, le sapin vient de chez Canadian Tire, même la jupe du sapin vient de chez Canadian Tire. Daddy s'est déplacé un peu, et un peu plus tard, il va revenir, il va installer la jupe du sapin. Donc là, je vais vous laisser tout simplement regarder. C'est une longue vidéo, mais bon, quand on fait les choses en famille, ça met du temps. Donc c'est vraiment la réalité. Donc ça m'a pris pratiquement 10 heures du temps, oui, 10 heures pour pouvoir monter cette vidéo. Donc juste pour vous dire comment c'était très très long. Là, je vous laisse avec la musique. Amusez-vous, prenez une tasse de thé. D'ailleurs, bon samedi à vous, en famille, bien sûr. Donc là, on va commencer avec l'installation. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame. My hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. To convince you to hang around. Donc voilà, Daddy a installé le sapin. Voilà, c'est juste beau. Et là, je fais la danse de Noël. C'est sûr que j'attends le cadeau de Noël. C'est pourquoi je danse comme ça. Je suis déjà excitée. Donc voilà, là plus tard, Daddy est revenu. Il va juste aller tout simplement installer la jupe de sapin. Et après, moi, je vais commencer avec la décoration un peu plus tard. Et après, les garçons vont venir me rejoindre après l'école. On va décorer ensemble.
Cette histoire de jupe de sapin là en métal, c'est juste compliqué à mettre. C'est vraiment compliqué. Ça paraît facile sur la vidéo, mais on a dû enlever encore le sapin pour mettre la jupe et puis installer le sapin plus tard. Vous allez juste voir. C'est un peu compliqué. Ça paraît facile, mais c'est juste compliqué. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va décorer pour Noël. Je suis déjà excitée. Inata, tu es excitée ou pas? Tu es excitée? Oui. On va décorer le sapin. Tu dis quoi? Toi aussi, tu vas décorer avec maman? Hein, nana? Donc, voilà. On va décorer le sapin, le salon. Et on verra bien si j'ai la force. On va aussi décorer la cuisine. C'est vrai que la cuisine va pas vraiment me prendre le temps. Et on verra bien, on verra bien. Moi, je vais commencer avec le sapin. Je vais faire ce que je pourrai. Et les garçons vont compléter le tout. Et ensuite, on va faire un hot chocolate. Are you ready, hot chocolate, papa? Yeah! On va faire le chocolat chaud après. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais prendre le bac de décoration que j'ai sorti de mon garage de fille. Donc, là, ça commence à déborder. Côté décoration Noël, c'est juste fou. Et ça devient vraiment trop. Donc, voilà. Mais cette année, c'est un peu différente parce qu'on a Inata qui fait partie de nous. N'est-ce pas, Inata? Tu fais partie de nous maintenant. Tu fais partie de la famille Mollet, n'est-ce pas, Inata? Oui, tu fais partie de nous. Voilà, c'est ça, non, papa? Yeah, n'est-ce pas, papa? Donc, on va décorer. Il y aura aussi des cadeaux pour bébé Inata. Ça fait juste bizarre. Ça fait très bizarre, Inata. L'année passée, tu étais dans le ventre de maman. Et aujourd'hui, tu es là. Tu vas fêter avec maman et papa et tes frères. N'est-ce pas? Ils s'en foutent. Alors, sans plus tarder, let's go! J'ai posé Inata à côté du sapin. Il va jouer, comme ça, il va se distraire. Moi, je vais commencer avec le sapin. Comme je dis, je vais commencer avec le sapin. Je vais mettre ce qui est important. Je vais quand même donner la forme à mon sapin. Et quand les garçons vont revenir de l'école, ils vont mettre ce qu'ils veulent. Donc, voilà. C'est toujours important de laisser aussi les enfants participer. Bien que ça fait mal à la tête, ça fait parler, mais on n'a pas le choix. Alors, de toutes les façons, moi, j'aurai deux sapins. J'ai toujours deux sapins chaque année. Et puis, l'autre sapin, on le fera aussi ensemble avec mes garçons. Donc, pour le vidéo de Noël, je pense que je vais répartir ça en quatre parties si j'ai le temps. Sinon, je peux réduire ça à trois parties parce que aussi, j'ai le recette pour vous pour le temps de fête. Et je sais que vous aimez beaucoup le recette. Et franchement, le mois de décembre, je vais vraiment essayer de vous partager plusieurs recettes. On va commencer par le plat de service, ustensiles, tout ça là.
On va commencer par ça et on va voir comment ça va se passer. Tout ce que je vous demanderai, laissez vos pouces, vos commentaires, encouragez-moi. Comme ça, je vais vous partager beaucoup de choses, d'accord? Là, j'ai beaucoup blablablé, beaucoup parlé. Je vais commencer avec le sapin et ensuite, on va décorer le salon. Et franchement, je ne veux pas charger mon salon parce que j'ai les enfants, c'est un salon qu'on utilise au quotidien. Je vais vraiment essayer de rester minimaliste. C'est ça vraiment mon idée, ok? Donc, on va rajouter un peu de vert, un peu de doré, un peu de blanc. Donc, voilà. Mais ne pas encombrer la maison. Donc, mon sapin est là et j'aime beaucoup mon sapin. Mon sapin, comme référence, je l'avais acheté l'année passée chez Canadian Tire. Et si je ne me trompe pas, c'est entre 7 et 9 pouces. Inches, pardon. Yeah, pouces, c'est inch, voilà. C'est entre 7 et 9 inches. C'est assez grand, voilà. Donc, let's go! Voilà, je vais utiliser le blanc là. C'est juste joli. Voilà. Je vais commencer avec ces faux neiges, donc je vais tout simplement aller installer. Et franchement, je voulais vraiment quelque chose de, comment je peux dire, de très simple, quelque chose de très moderne, quelque chose de très très élégant, quelque chose de simple en fait. Donc je vais tout simplement installer et ces neiges viennent de chez Canadian Tire et je vais installer et après, on va aller mettre le boule. Donc, voilà. Alors, je suis en train de réfléchir pour le grand salon. Peut-être je ferai quelque chose de crazy. I'm not too sure. Vous me connaissez déjà. Avec le sapin, je prends vraiment mon temps. C'est quelque chose que j'aime faire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'amuse. J'aime bien. J'aime être créatif avec mon sapin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, alors, on continue. Je vais commencer par des gros boules. Qui viennent toujours de chez Canadian Tire. Et ensuite, je vais mettre le reste. Donc, je vais laisser regarder. Il n'y a rien de compliqué en fait. Je suis juste en train d'installer le boule. Et puis voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous laisse. Enjoy! Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest. Alors voilà, moi j'ai fait ma part. Je laissais le boule vert et le petit ourson pour les garçons. Ils vont venir aussi installer. Donc c'était juste pour donner vraiment la forme à mon sapin. Alors, c'est ce que moi j'aime. Hein? Donner la fondation et les restes, ils vont venir compléter. Voilà, là c'est le temps. Je vais juste aller installer le garland.
Et franchement, je ne sais même pas si je mettrai du boule ou quoi que ce soit, parce que je voulais pas que ce soit très chargé, surtout que c'est juste à côté de mon sapin. Donc voilà, je vais tout simplement installer et puis prochainement, je vais réfléchir si je dois rajouter quoi que ce soit. Donc voilà, et puis il n'y avait plus de batterie, donc je dois acheter une batterie parce que ça vient avec la lumière intégrée. Donc je vais tout simplement installer et puis voilà, comme je dis plus tard, je vais voir si je pourrais rajouter des boules. Mais pour le moment, je laisse comme ça. Voilà, là j'ai mal installé ma caméra, c'est un peu penché. Je vais tout simplement aller enlever la décoration sur la table et puis on va décorer la table. Comme je dis, je ferai quelque chose de très simple. Et aussi, ma décoration, c'est le blanc, le couleur neutre et puis avec un peu de vert, accent vert. Voilà, donc là, je vais juste nettoyer la table. Je vais juste faire la table et ensuite je vais remplacer les coussins. Et si vous avez déjà regardé ma vidéo des hauls, je vous ai dit où j'ai tout acheté. Je laisserai le lien pour la vidéo des hauls en barre d'infos si vous êtes intéressé par quoi que ce soit. Ok, là on continue. Alors, ces faux branches viennent de chez Home Sense. J'ai beaucoup aimé son côté très simple avec le faux neige. Je vais juste aller voilà, jouer avec et ensuite je vais poser dans le vase parce que j'ai déjà du verre partout. Donc, du coup, j'avais préféré mettre des branches comme ça avec le faux neige et je trouve que le rendu est très très magnifique. Voilà. Voilà, on a fini avec la décoration. C'est juste simple, très très joli. Moi-même, I love it. J'aime beaucoup. Alors, je vais juste aller
aspirer. Et ensuite, les garçons vont revenir de l'école. Ils vont en mettre le boule qui est resté. Et vous allez voir le reste. Bonjour. Owen, say hi. Owen, dis hi. Alors, ça, c'est là... pas être mon chapeau. Ça, c'est avec ton chapeau. Regarde, oui, on est ici, ça me plaît. Attention, papa. They can see. Really? Are you serious? Yes, I want them to see it. Yeah, right. But bad reason to have this. Yeah, I will. Ok, donc, on a encore le boule. Le boule vert, je vais vous montrer. Ok, on fait comme ça. Les boules vertes, on en a 8. Et donc, Owen, ils vont rajouter ça sur le sapin. Et quoi d'autre, papa? What else? There's also a few decorations under the... Les petits nounours. Penguin, what is this, papa? How do you call this? Ours. Ok, le petit ours qu'on va mettre aussi sur le sapin. Petit ours. Oh, my baby is so smart. Oh. When, what do you have there? I have a green, more focused Santa. Ok, là, ils vont rajouter l'air déco. Et on continue. Ok, on va aussi rajouter le boule vert. So pretty, very very pretty. Yoink. Okay. Bonhomme de neige, voilà. I'm putting on the top. You put it up on the top? Okay. Inanna, what about you? Yay! Voilà, là, ils ont rajouté le vert. Et puis, Owen, are you done here? Bonjour. A big reindeer farm, and it's two kids following it. Look. Oh, like that. That's beautiful. Wow, I love that. Hi, Nana. On a des verres. Ouais, on a ça. Si on a le verre. Le verre? Ok, d'accord. Tu as rajouté le verre aussi. Et Nana. Voilà, il commence à faire tard. Là, il est 17h. Là, je vais essayer de finir avec la cuisine. Et puis, voilà, les enfants sont là. Donc, ce n'est pas du tout facile. OK? Donc, on continue avec la cuisine. Let's go! We have our ups and downs, but when there's love, there's
have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Voilà, je vais juste aller installer le coco bar. Je veux juste faire quelque chose de simple, juste pour vous donner une idée. Mais en fait, je mettrai tous les hot chocolates, le chocolat, tous ces candy pendant le mois de décembre. Parce que là, vous allez même remarquer, du moment où je mettrai juste le chocolat et les candy canes, ils vont venir bouffer ça. Donc, du coup, voilà. Donc, c'était juste pour vous donner une idée. Mais on va travailler encore dessus un peu plus. Voilà. Donc, là, je vais juste aller utiliser le vase que j'avais dans ces coins. Je vais dire, OK, je vais mettre le candy cane là. Et puis ensuite, je vais juste aller installer. Juste question de vous donner l'idée de ce que je ferai avec ces tea tray. Donc, voilà. Là, je mets le chocolat. Et après avoir fini avec la cuisine, on va faire les hot chocolate. Oh, c'était juste trop délicieux. Et ensuite, j'ai installé mon livre à côté. En fait, j'ai les book stands, mais je n'arrive pas à trouver ça. Je l'avais mis au garage, mais je n'arrive pas à voir. Vous-même, vous avez déjà vu l'état de mon garage. Donc, parfois, c'est difficile de se retrouver dans ces garages. Donc, je pense que je serai obligée de commander un autre book stand si je ne trouve pas. Donc, parce que vraiment, je vais exposer mon livre de Johanna. J'aime beaucoup ces livres. Voilà, on a fini. Donc là, je vais installer le vase et je vais mettre le sapin. Ce sont les sapins que j'avais achetés chez Home Sense. Ça date ça, faire 3 ou 4 ans. Que j'ai ces sapins. Tous les petits sapins que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont les sapins que j'ai, ça fait maintenant des années. Hey! C'est pour moi. Oui. C'est très délicieux. It's a candy cane. Look, regarde ce que Sinata va faire. Il veut manger. Have a cookie, papa. Mama, have a cookie. Cookie, yummy. Yummy, yummy. Voilà, là, on continue avec la cuisine. Alors, j'avais reçu le colis des... de chez Etsy. Alors, ce sont les shakers pour le poivre noir et sel que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment vintage. Oh là là, j'aime beaucoup. Je vais juste vous les montrer. Je vais mettre ça à côté, mais je vais décorer avec plus tard. Donc, juste pour vous donner une idée. Ah! Là, je commence à devenir fatiguée. Voilà, pour vous donner une idée. C'est vraiment vintage. C'est vraiment joli. Je voulais acheter ça depuis l'année passée, mais franchement, cette histoire coûte trop cher. Mais c'est juste super joli. J'aime beaucoup. Alors, si vous êtes intéressé, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc, c'est les shakes. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais c'est pour mettre le poivre puis le sel. Voilà. Regardez comment c'est joli. Oh my God, I love it! J'aime beaucoup. Donc, je vais mettre ça à côté. Et puis, plus tard ou peut-être après le mois de décembre, je vais voir comment je vais décorer avec. Voilà. Là, on va passer au hot chocolate. Oh my God. On avait beaucoup, beaucoup aimé. C'était juste trop délicieux. Donc, en fait, on va juste chauffer le lait et puis on va rajouter le chocolat comme ça. Oh, yeah, yeah. C'est juste trop yummy. Donc, et après, c'était juste moi et Enoch. Parce que vous savez déjà, Owen est très compliqué. Donc. Oh, what happened here? What happened? You have Bobo? Good job, papa. Some chocolate milk. So much. I mean, some. What's it called again, Mom? How do you do that? You want some? Yes.
try it. I stole a candy cane. Voilà, on a fini avec la vidéo aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. Et franchement, moi-même, j'ai beaucoup aimé ces moments qu'on a passés avec les enfants. Franchement, créant le souvenir avec nos enfants, c'est très important. Et voilà, donc je vais vous laisser avec le tour. Et comme référence pour le chocolat, on avait mis comme 10 boules de chocolat, voilà, pour que ce soit vraiment très très bon là, délicieux. Donc il faudra mettre beaucoup de chocolat. Donc voilà, je vous laisse avec le tour. J'espère que la vidéo vous plaira et vous donnera quelques inspirations. Et n'hésitez pas à laisser vos likes, vos commentaires et partager avec les autres. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mouah, bye. You go, put your arms around me, and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall, and time goes slow. I fall into you. I could show you more.